Surface Télévision, mesdames et messieurs, à la une de ce soir, le haut magistrat de la Cour de cassation du Conseil d'État, ainsi que le magistrat des sièges membres de la Cour de compte, nommé récemment par le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont prêté serment ce mercredi 31 août 2022 au Palais de la Nation devant le président de la République, conformément à la Constitution. Ils ont juré de respecter la Constitution et les lois congolaises, un engagement ferme et solennel. Cette cérémonie revêt un intérêt particulier car elle traduit la volonté du chef de l'État et magistrat suprême de poursuivre inlassablement les réformes au sein de l'appareil judiciaire congolais. À la primature réunion interministérielle de dernier réglage à l'hôtel du gouvernement, mardi dernier, c'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui l'a présidé en vue de respecter le délai de dépôt du projet de budget 2023 à l'ouverture de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Reportage de la cellule de communication de la primature. Le gouvernement de la République tient au respect du délai constitutionnel en rapport avec le dépôt du projet du budget de 2023 au Parlement. Et c'est là, conformément aux instructions du président de la République. C'est ce qui justifie cette importante réunion interministérielle que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé mardi 30 août 2022 à l'hôtel du gouvernement. À l'issue de cette réunion, le gouvernement de Rwario tient à tout prix au respect de la tradition au regard de l'expérience de l'année passée. Vous voyez qu'à ma droite, il y a le ministre de ta ministre au budget. Dans la réunion d'aujourd'hui, dans la droite tradition que nous avons commencé l'année dernière, vous savez que les budgets ont été déposés pour la première fois le 15 septembre 2021, le budget de l'exercice 2022. Nous voulons rester dans cette tradition suivant les orientations du président de la République. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion interministérielle qui a réuni toutes les commissions pour commencer les débats sur le projet du budget. Vous savez, suivi qu'il y a eu quelques jours sous les auspices du ministre d'État, la conférence budgétaire où tous les ministres ont envoyé leurs prévisions. Les États, les services du ministère du budget ont pas de réagir et qui ont permis au ministre d'établir un certain nombre de documents dont il vous parlera, qui ont fait l'objet de cette réunion qui est introductive parce qu'il y aura une réunion qui suivra jeudi pour adopter, puis il y aura un conseil de ministre qui permettra d'adopter les budgets qui sera quelques jours après déposé à l'Assemblée nationale. Voilà l'esprit de la réunion. Le ministre d'État en charge du budget s'est montré très optimiste quant au respect du délai de 15 septembre. C'est tout l'intérêt de la réunion de ce jour. Parce que le 15 septembre, la mise d'habilitation à nous devons déposer, et ceci dans le délai constitutionnel, le projet de loi de finances pour l'examen par le Parlement. Donc, c'est pour cela que nous avons initié la démarche aujourd'hui et elle sera poursuivie de manière à ce que nous puissions réaliser cet objectif qui, depuis l'année passée, est devenu une tradition. Donc, je suis certain, avec l'accompagnement des collègues ministres des différents secteurs, qui ont déjà commencé à apporter des améliorations aux chiffres que nous venons de proposer aujourd'hui, qu'à la date du 15, effectivement, le Premier ministre sera au rendez-vous avec l'Assemblée nationale pour le dépôt de ce projet de loi de finances. Signalant que, en outre, la Constitution et la loi de finances publiques exigent au gouvernement de déposer le projet du budget en date du 15 septembre de l'année. Nous sommes à Nitouri, échange entre le gouverneur militaire, le général.
Dans une atmosphère feutrée, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny, a échangé ce mercredi avec le présidium de l'association Kiltirel NT, regroupant les membres de la communauté EMA en toile de fond, la paix, la sécurité ainsi que l'organisation dans les prochains jours du dialogue intracommunautaire EMA, dont l'objectif est de sensibiliser et persuader les détenteurs illégaux d'armes regroupées au sein d'un mouvement d'autodéfense dans les communautés victimes des atrocités à Djougou, Maagi et Irumu. Au sortir de cette rencontre, le docteur Lonema Vajiru, président de la dite association, appelle les communautés ituriennes à travailler en synergie pour convaincre leur fils, Zefi Egaré, à déposer les armes. C'est qu'il y a un groupe qui se réclame d'autodéfense. Et ces groupes identifiés dans la zone minière. Et ces groupes ont à son sein des éléments armés qui défendent leurs entités ou leurs villages ou leurs cités. Et ces éléments ne sont pas uniquement des EMA. Ils sont aussi Alou, ils sont aussi également Niali, Mambisa et Ndo Okebo. Parce que j'ai oublié quelques groupes. Et d'autres communautés aussi qui se retrouvent dans cette zone-là. Donc on peut retrouver un peu tout le monde. Alors, ces groupes-là, qui se réclament d'autodéfense, ces groupes nous disent qu'ils n'ont pas un problème comme les groupes armés qui réclament d'être général ou d'être colonel, qui réclament la part quelque chose chez eux, qui ont des cahiers de charges, comme ils les appellent, et qui ont beaucoup de conditionnalités. Et n'en ont pas. Elles ne veulent que la paix chez eux. Qu'on les laisse tranquilles creuser leur or. Mais par rapport aux armes qu'ils détiennent, ils reconnaissent que c'est illégal. Mais ils en ont parce que les autres les menacent. Ils se protègent avec. Alors ils sont prêts. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils sont prêts sur l'État, sur la FARDC, leur garantir la sécurité, de collaborer avec la FARDC et de remettre les armes. Par la même occasion, le docteur Lonema Vajiru appelle le peuple ituriens à l'unité pour le développement de cette province riche en potentialité. Une recommandation du chef de l'administration militaire de l'Ituri. Chez l'EMA, nous disons non au recrutement. Nous ne voulons pas de la guerre. On ne veut pas accord de la guerre. Les gens qui ont pris les armes en main doivent se préparer à rencontrer la FARDC pour remettre les armes. Pour arriver à la paix, suivant cette approche du dialogue prônée par le chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la PNC, en plus des opérations militaires sur le terrain, le gouverneur militaire exhorte les fils et filles de l'Ituri à bannir la communautarisation et la généralisation de faits individuels. Par contre, la tolérance mutuelle et la cohabitation pacifique doivent être de mise en ce moment. Nous sommes en éducation. Désormais, le syndicat national des écoles catholiques a un nouveau bureau ici du Congrès. Le membre qui compose ce comité a été présenté au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, en vue de prendre acte de cette nouvelle équipe. Ils ont fait le point au sorti de l'audience leur accordée par le ministre. Suivez cet extrait que vous propose Marcelo Kalinda. La première chose à retenir est que nous sommes venus présenter à son Excellence le nouveau comité national issu du Congrès. Comme vous le savez, le NOSIMECAT, c'est devenu un fonds de commerce. Alors, on en parle partout. Alors, nous sommes venus voir son Excellence, lui présenter le comité qui va commencer à parler au nom du SINECAT. Vous savez que c'est un grand syndicat qui est implanté à travers les pays. Donc, il fallait maintenant que les gens comprennent que les comités du SINECAT qui est habilité à parler au nom du SINECAT a été présenté au nom du ministre. Alors, si vous n'êtes pas là, si votre visage n'est pas là, c'est que vous êtes faussaire du nom SINECAT. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Je dis, c'est lui qui se présente au nom du SINECAT, dont le visage n'est pas ici. Mettez-vous en tête que c'est un épouvantail syndical. Autre chose à présent, célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle
ce mercredi 31 août 2022. Pour cette année, le thème choisi est 2 décennies de la journée africaine de la médecine traditionnelle, progrès accompli vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle africaine. Commentaire de Raissa Kitambala. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Parlons religion à présent. La CECA Kalembelembe sera désormais appelée communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme avec pour visionnaire le pasteur François Mutombo. L'annonce a été faite mardi dernier au cours d'un culte organisé dans cette église en formation qui a émerveillé le fidèle. Reportage de Marcelo Kalinda. Autre temps, autre mœurs, dit-on. Après la déclaration de l'ACKS communion, le pasteur François Mutombo de ses assemblées, ACK Kalembelembe, change de dénomination. Communauté des assemblées chrétiennes, voici l'homme. Désormais, François Mutombo dit voici l'homme et le géniteur de sa propre communauté, créée sans rancune et indépendante. Dans l'annonce des séparations de François Mutombo et les églises dirigées par l'évêque Pascal Mukuna, il était fait mention qu'aucun patrimoine de l'ACK détenu par voici l'homme ne fera objet de réclamations. Raison pour laquelle ACK Kalembelembe a été rebaptisé en ce jour. CEACVL, comprenez, communauté des assemblées chrétiennes, voici l'homme. International, il a tiré sa révérence à l'âge de 91 ans. Lui, c'est le tout dernier dirigeant de l'Union soviétique, le prix Nobel de la paix en 1989 pour avoir mis fin à la guerre froide et une figure emblématique dans le monde politique. Suivez. Et connu grand à l'extérieur de son pays pour avoir mis fin à la guerre froide et à l'intérieur du pays. Pionnier de la libération économique, culturelle et politique, connu sous la populaire appellation qui veut dire la restructuration et le glasnost qui est la transparence. Gorbatchev est celui qui a pesé pour la chute des régimes communistes. Troisième jour des états généraux des sports. La perestroïka, c'est son chef-d'œuvre. C'est lui qui est vu comme un grand réformateur de la Russie. Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev est né le 2 mars 1931 et le tout dernier dirigeant de l'URSS des 1985 à 1991. Il est reconnu grand à l'extérieur de son pays pour avoir mis fin à la guerre froide et à l'intérieur du pays. Pionnier de la libération économique, culturelle et politique, connu sous la populaire appellation qui veut dire la restructuration et le glasnost qui est la transparence. Gorbatchev est celui qui a pesé pour la chute des régimes communistes en Europe, ce qui conduit à l'éclatement de l'Union soviétique. Une mauvaise vue qu'il a des Russes. En 1980, il fut le plus jeune membre de l'histoire du principal parti communiste à braver les échelons sur la scène politique de son pays. Il est l'image de la démocratisation du régime en levant la censure sur la liberté de l'expression et de la presse et aussi libérer les prisonniers politiques. Ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 1990. En 1991, il est victime d'une tentative de putsch et fut assigné en résidence surveillée et Boris Eltsine lui confisque le pouvoir à Moscou et devient
premier président de la Fédération des Russies, créé par l'éclat de l'URSS qui a sonné par la démission de l'homme qui avait concentré tout le pouvoir sur lui. En 1996, il tente reconquérir le pouvoir par élection, mais il n'obtiendra qu'1% des suffrages. Il a rendu l'âme à 91 ans, mardi 30 août 2022, à la clinique centrale de Moscou, des suites d'une longue maladie grave. Troisième jour des états généraux des sports. Parlons sport pour boucler cette grande édition du journal. Fin des travaux en commission de panélistes présents répartis en 6 groupes de travail et de réflexion sur les 6 thématiques choisies pour ces assises. À la fin des états généraux des sports est prévu pour le 3 septembre. Suivez le détail avec Josué Lelo, Erwin Timba depuis Kisantou. Troisième jour des états généraux des sports et deuxième jour des travaux en panel, c'est mercredi 31 août, les 6 commissions en images se sont encore plus plongées dans des interactions intéressantes, des réflexions intenses et un bon bout de temps devant des documents et encore des documents pour ne rien laisser outre et générer une ressource infaillible. Ces jours, les commissions se sont réunies tôt dans la journée pour examiner encore les questions qui leur ont été soumises et pour lesquelles ils ont promis de s'investir à fond pour redorer la pratique de sport en RDC. Ici est de noter que les travaux en panel ont pris fin ce mercredi 31 août et les exposés des commissions sont prévus le jeudi 1er septembre. Le vendredi 10 septembre est prévu la plénière d'adoption des résolutions et amendements des panélistes sur les 6 thématiques choisies pour ces assises. À titre informatif, ces travaux le mardi 30 août dans les 6 commissions réparties selon les 6 thématiques retenues pour ces états généraux des sports en Buela Lodge. La fin de ces assises proprement dites est annoncée pour le samedi 3 septembre prochain. Fin complète de cette grande édition du journal qui porte la signature de Prisca Siloulou. Merci à l'équipe technique de Face Télévision, l'équipe rédactionnelle. Merci au directeur général Junior Dinanga. Bonne suite de nos programmes.